Voilà, une vidéo sur la blessure d'humiliation avec des nouveautés puisque j'aborde ce sujet du point de vue de quelqu'un qui n'a pas la blessure d'humiliation, contrairement à l'auteur principal qui en parle et qui a cette blessure et qui n'a pas résolu. Du coup, c'est un peu problématique. Donc, la blessure d'humiliation, c'est une blessure justement que j'ai moi très peu expérimentée, que j'ai la chance de ne pas avoir. Des blessures, c'est peut-être celle qu'il y a le plus de personnes qui n'ont pas, le rejet, on est tous rejetés à un moment ou à un autre. Mais l'humiliation, par contre, certains l'ont et d'autres non. Mais quand même, ça m'est arrivé comme ça quelques fois, vraiment ponctuellement, de la ressentir, et ce qui permet de la caractériser. Hein. Donc quand elle est activée, on se sent en fait chosifié. La blessure d'humiliation, le problème qu'on vit psychologiquement, c'est qu'on a l'impression d'être une chose, d'être un objet, et non plus d'être une personne, ou a fortiori un esprit. Et donc on se sent très mal parce que c'est une négation du fait qu'on existe en tant qu'être moral, si on veut. Voilà. Alors, cette vidéo, l'idée c'est la blessure d'humiliation, se relever vers le ciel, parce que, contrairement donc, à l'auteur principal de cette théorie de la blessure d'humiliation, j'estime que la personne humiliée s'est humiliée elle-même, hein. C'est l'idée d'aller vers le sol, qui peut être nécessaire quand on est perché, si on veut, mais qui par contre peut être excessive. Donc les personnes qui ont la blessure d'humiliation, elles sont trop descendues vers le sol, vers l'humus, et du coup, elles sont plus assez la tête dans les étoiles. Et donc les personnes qui ont cette blessure d'humiliation, le but, c'est de non seulement d'avoir la tête dans les étoiles, mais aussi dans les actes, que ça se reflète dans leurs actes. Parce qu'il y a des personnes qui ont la blessure d'humiliation qui sont spirituelles, mais qui vivent seulement selon l'amour et pas du tout selon la sagesse et la vérité. Donc en fait, les cinq blessures dont parle Lise Bourbeau, il y a trois à quatre figures. Il y a les blessures qui correspondent à un manque d'amour par rapport aux vertus cardinales chrétiennes. Hein, je suis toujours dans ma perspective psychologie-spiritualité. Donc les personnes qui manquent d'amour, c'est blessures de rejet, blessures de colère. Hein, il y a clairement dans les deux cas un excès de colère et un manque d'amour. Ensuite, la blessure d'abandon, ça va être un manque d'espérance. Il y a un manque d'amour aussi, mais disons ce qui différencie par rapport à l'abandon, c'est qu'il va y avoir un manque d'espérance, hein, qui provient d'un manque d'estime de soi. Et puis dans trahison et humiliation, il y a un manque de foi, blessure de trahison, c'est un manque de fidélité, et blessure d'humiliation, c'est un manque de vérité. Donc pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec comment on peut classer un peu les différentes vertus, les vertus elles correspondent à différentes couleurs, et il se trouve que la foi c'est plutôt bleu, comme le ciel, hein, voyez, on a foi dans le ciel, et le ciel est bleu, tout va bien. Mais la vérité aussi est liée à ça, hein, puisque la foi c'est la révélation de la vérité. C'est la croyance en la vérité révélée. Et puis, je parlais de la fidélité. La fidélité, c'est d'être conforme à cette vérité. D'être soi-même dans la vérité. Donc l'humiliation et la trahison sont plutôt dans l'aspect foi-fidélité. Voilà, donc c'est intéressant de voir que les différents manques de vertu cardinale impliquent ces différentes blessures. Et par rapport à la blessure d'humiliation, dont il est question ici, on a clairement un manque de sagesse, de vérité, et un excès de sensualité. Alors ça, Rudolf Steiner l'indique dans une conférence, il indique que les personnes qui ont le tempérament flegmatique, hein, puisque la blessure d'humiliation correspond, évidemment, Lise Bourbeau a repris ça, au tempérament flegmatique, ces personnes sont des personnes qui aiment trop, qui ont beaucoup d'amour, mais qui aiment trop la matière. Donc il y a un déséquilibre entre le matériel et le spirituel. Alors ce qui est surprenant après, c'est qu'on peut avoir des personnes comme Ama ou Lise Bourbeau, qui sont des personnes spirituelles qui ont la blessure d'humiliation, ben, c'est pas incompatible. C'est-à-dire on peut aimer beaucoup les gens, on peut aimer beaucoup la spiritualité, mais pratiquer tout ça de façon logophobe, si on veut, pour reprendre une expression de Platon, c'est-à-dire en se disant que l'intellect est plus un ennemi qu'un ami, hein, et en se fiant plus exclusivement à son intuition et à son cœur. Ce qui n'est pas mauvais, mais il y a un déséquilibre qui mène à cette blessure d'humiliation, c'est-à-dire on est trop descendu dans
dans le concret matériel. Et c'est des personnes généreuses qui sont prêtes à beaucoup aider, mais qui par contre aiment un certain confort, aiment une certaine nourriture, etc., etc. Il en découle que la vie, comme pour toutes les blessures, leur reflète leur erreur fondamentale, et donc c'est pas qu'elles sont humiliées par les autres, hein, de même que les personnes qui vivent la blessure d'abandon ne sont pas abandonnées par les autres, mais sont abandonnées par elles-mêmes. Et donc ces personnes qui ont la blessure d'humiliation s'humilient elles-mêmes, hein, c'est ce que je disais un petit peu avant. Voilà, donc la solution, elle va pas être très compliquée, en fait. Hein, enfin, je dis ça extérieurement, et puis j'ai vu des modifications assez rapides chez des personnes qui avaient les circonstances favorables que je vais décrire après pour changer. Donc, s'il y a un excès matériel, eh bien, il va falloir le compenser par du spirituel, et notamment du spirituel à tendance intellectuelle. Donc, plus par des livres, des méditations, et puis côtoyer des personnes à tendance intellectuelle, à tendance plus perfectionniste. La personne qui a la blessure d'humiliation est une personne très arrangeante, puisque, comme je disais, elle laisse un petit peu la vérité de côté, c'est pas ce qui l'intéresse le plus, même la sagesse à la limite, et elle n'est pas du tout dans les règles, elle est plutôt dans le côté cœur, passer du temps avec les autres, réunir la famille, réunir les amis, toutes choses qui sont positives. Mais par contre, les règles et les vérités spirituelles, elle s'en préoccupe assez peu. Et donc si elle commence à étudier ces règles, à être un peu plus sélective dans ses choix, que ce soit les choix alimentaires, choix de comportement, choix de partenaire, etc., la sagesse et la vérité vont entrer dans sa vie, et naturellement, parce qu'elle est volumineuse, la personne qui a la blessure d'humiliation, parce qu'elle prend tout, vous voyez, et elle ne fait pas de tri. Donc il faut qu'elle rentre dans cette démarche de tri, et elle va entrer dans cette démarche de tri le plus rapide, ça va être de fréquenter des personnes qui sont justement assez perfectionnistes. Vu qu'en général, il y a de la marge. Bon, j'ai vu un cas où la personne était devenue presque maigre, mais c'est... Bon, enfin, si vous avez 20 kilos en trop, avant que vous ayez tout perdu, vous avez de la marge, donc vous pouvez y aller franchement, même jeûner, lire des agrumes, hein, qui vont être aussi pas mal dans la sagesse, manger moins gras, moins salé, moins sucré, vous pouvez être plus sélectif, hein, peut-être manger moins de produits animaux, plus de fruits, plus de végétaux. Tout ça, ça va vous donner un élan qui va être plus spirituel, hein, notamment les fruits. Voilà, donc une blessure qui peut, enfin je l'ai vu, hein, qui peut être résolue en 2 mois. Il s'agit simplement de mettre plus de sagesse et de connaissances spirituelles dans sa vie. Donc ça peut être des connaissances spirituelles, je reprends toujours les mêmes auteurs, hein, mais des auteurs susceptibles de faire maigrir, en tout cas Eckhart, qui va être très, très extrême dans sa démarche de détachement. Rudolf Steiner, qui va donner quantité de critères, hein, si vous les appliquez sur l'alimentation, sur les conséquences de chaque chose dans votre vie, évidemment, là, ça va vous permettre de faire ce tri, vous aurez les éléments. Et Peter Denhoff, également, qui est, lui aussi donne quantité de règles de vie sur, par rapport aux horaires du soleil, nourriture, boisson, etc., relations. Et toutes ces règles, effectivement, vont aussi permettre de faire le tri et d'arrêter d'être dans cette indifférenciation, hein, de l'amour, mais d'un amour qui manque de sagesse et de vérité. Voilà. Donc, très simple, la blessure d'humiliation, il suffit de la comprendre et voilà, de rentrer. Je pense que ça peut même sûrement être assez plaisant, en fait, de se débarrasser de tout ce caractère un peu flasque qu'on peut avoir pour retrouver une structure, retrouver une apparence plus définie. Hein, parce que les personnes qui ont cette blessure d'humiliation ajoutent et sont dans le oui à tout. Et du coup, ils n'ont plus d'identité quelque part. Donc je pense que ça peut même être assez plaisant de retrouver cette identité en disant voilà, ça oui, ça non. Jusque-là, j'étais dans le oui à tout. Je mange de tout, je vois tout le monde,
je fais toutes les activités, j'écoute toutes les musiques, etc., etc. Pour dépasser cette blessure, bah, ça va être assez sympa, à mon avis, de retrouver ce qu'on est profondément et pas simplement des choses qui nous permettent de nourrir un besoin d'unité sociale, un besoin d'amour. Voilà. Eh bien, j'espère que ça aidera les personnes qui ont cette blessure d'humiliation. Et comme d'habitude, si c'est pas complet, je me ferai un plaisir de compléter si vous avez des questions. Merci, à bientôt.